Bon, on ne se connaît pas parce qu'on n'est pas dans le même milieu. Mais tu as été quelqu'un que j'ai apprécié. Mais la face que tu es en train de nous montrer là, c'est une honte. La Yoro Gang, la Chine a raison de te rejeter. Et puis tellement que tu es bête, tu vas t'enfoncer encore plus. Pourquoi? Parce que tant que tu vas vouloir tenir tête aux Ivoiriens, tu vas t'enfoncer. Au début, j'ai cru que c'était un acharnement. Mais après, j'ai su que tu es bête. Tu n'es pas intelligente. Faut pas, on va dire deux mots, quatre mesures. Tu es bête. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas un enfant. Et les gens m'ont dit, oui, c'est un enfant. Tu n'es pas un enfant. Femme qui connaît plusieurs bites là. Tu n'es pas un enfant. Peut-être même tu as connu plus de bites que moi, Lolo Beauté, je suis assise là. Tu n'es pas un enfant. Sur qu'on pouvait parler là, elle nous dit beaucoup de choses. Donc, tu n'es pas un enfant. Je vais te dire que le groupe d'amitié que tu es en train de faire 2 jours là, ce n'est pas un groupe d'amitié. C'est des personnes qui ont fait un programme pour te mettre sur la place publique. Tous ceux qui sont autour de MLOS là, je vais te le dire en toute sincérité. C'est un plan qu'ils sont faits pour te ridiculiser, pour te casser sur la toile publique. Pourquoi? Quand Carmen, toi et MLOS, tu es vieille. Tu as fait anniversaire, on t'a dit tout de suite là que c'est pas bon là. Ça devait te servir un peu de leçon. Comment tu arrives chez MLOS, toi-même tu fais pas snap, hein? Il y a quelqu'un qui est en train de te filmer, tu as venu garer ta voiture. Un, regardez la voiture de Carmel. Carmel, quoi même, ça m'a quoi. D'abord, on essaie de te diminuer. Madame, quand tu veux tisser amitié avec quelqu'un là, une fois que tu vois qu'on essaie de te commander là, faut quitter dedans. Faut quitter d'amitié où on essaie de te diminuer. Toi-même, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas bien ton nom. C'est-à-dire, c'est un groupe qui veut te honnir. Comme tu es bête, ils vont te honnir encore davantage. Donc, tu arrives à l'empire entre griffes d'Emma Loès, que j'aime bien. La petite fille, elle se bat, donc j'aime. Moi, je ne suis pas hypocrite pour dire que je n'aime pas alors que j'aime. C'est parce que j'aime que j'ai venu parler aujourd'hui. J'ai dit, partagez-moi ce direct, sinon j'arrête. Comment tu arrives chez Emma Loès? Il y a une femme en haut qui t'attend. Elle est en train de filmer d'abord ta voiture. Mettre d'abord la plaque d'immatriculation de ta voiture au plein jour, en plein jour. Tu ne penses pas que dans les Chinois, là, il y a des criminels, il y a des voleurs, il y a des délinquants, il y a des personnes à Saarafat ou rien. Donc d'abord, on est en train d'exposer ta vie. Comme tu es bête, tu ne le sais pas. Ils sont en train d'exposer ta vie en te filmant pour dire, voilà la voiture de Carmen Sama qui est en train d'arriver. Il y a trop de braqueurs actuellement à Abidjan. Ma chérie, on est en train de te vendre à la sorcellerie. Et tu es livré à la sorcellerie. Mais moi, Lolo Boutel, je viens te délivrer parce que j'envoie le feu dans tes poils pour te délivrer. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans tes poils pour te délivrer si ça te gratte, maman. Tu arrives chez quelqu'un, on te filme. On dit, voilà la voiture de Carmen Sam. Même ton nom là, même elles ne retiennent pas. Elles n'ont pas bien retenu ton nom là. Parce qu'il y a un effet d'hypocrisie. Quand une femme vient être hypocrite, elle ne retient pas. C'est-à-dire, ils font d'une manière pour te rabaisser. De la manière que les Chinois t'ont mis en haut là. Le groupe d'Emma Loès essaie de te casser et puis te donner la vraie image que toi tu es. C'est d'en bas qu'Arafat t'a connu, non? Donc tu es femme de bas. Ils vont montrer cette vraie. Pardon, on a oublié un peu cette partie-là. Parce que c'est d'en bas, tu allais boire chauffer tes amis qui Arafat t'a vu et puis t'a aimé et puis t'a pris. Donc tu es femme de bas. Ça, c'est la vérité aussi. Donc tu arrives chez quelqu'un. Et la personne te dit, voilà, voiture de Carmen. On t'expose. Quand on vient rendre visite à quelqu'un qui t'apprécie là, on essaie de préserver ton image et puis te mettre un peu haut. Comme tu es bête, on t'a filmé, tu fais sortir tes dents là. On dirait une gaga. La stamina que tu as eu avant Arafat là, c'est pour Emma Loès ça qui a te surprendre aujourd'hui. La stamina où Arafat t'a mis là, c'est pour Emma Loès ça, toi tu cherches. Tu es plus star que Emma Loès au moment où tu étais avant Arafat, où il te mettait en haut là. C'est pas maintenant que tu as cherché cette manière. Quand quelqu'un est déjà haut, ne redescend plus. Tu arrives, on te minimise. Voilà la voiture de Carmen, quoi, 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 quoi. Tu rentres comme tu es bête, gaga. Tu as montré tes. Vraiment, souvent les femmes qui ont gros, gros fesses là, c'est rempli de caca. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans leur cerveau. Cherchez un peu les femmes un peu minces, elles sont un peu bien intelligentes. Tu arrives. Toi-même, tu ne fais pas snap et tu n'as pas remarqué que tous les portables étaient braqués vers toi. On dirait un complot de la mafia russe contre toi seul. Tu es bête, tu arrives,
C'est-à-dire, un mouton arrive dans la cour des lions et puis il rit. Tu vois comment un mouton arrive dans la cour des lions et fait bé, bé. Et puis tout le monde en s'enlève machette, on veut te tuer. Les machettes là, c'est leur portable. Et ils t'ont eu. Ils ont enlevé leur machette. Tous tes faits et gestes étaient snappés. Qu'est-ce que vous attendez de ces camarades, les espions de Emma Lewis là? Vous étiez là rien que pour la snapper, pour mettre sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous savez que c'est une veuve. Arafat n'est pas encore bien mort, n'est pas encore bien enterré. Ça fait pas encore un an. Tu devais attendre que Arafat, son corps là, les asticots là, prennent ça un peu bien pendant un an avant de faire ces gens de conneries là. Donc, je vais te dire que tu t'es livré à la meute des loups. Automatiquement, ils ont commencé à te filmer. Maman, Emma Lewis, elle n'est pas star, elle ne peut pas se filmer elle seule. Pourquoi c'est toi seul qui arrives et puis toutes les caméras sont sur toi?